une revue de cheveux. Donc on va tester aujourd'hui Astéria Hair. Donc Astéria Hair, je pense que vous connaissez parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et c'est ceux qui ont l'une des meilleures HD Lace et les meilleures qualités de perruques. Donc celles qui ont déjà commenté, vous pouvez en témoigner dans les commentaires. Franchement, cette compagnie, franchement, ils sont incroyables. Des cheveux bouclés, mais cette fois-ci, en fait, on va tester. En fait, ça ressemble au Kinky, je crois. Ça ressemble un peu au Kinky, mais je vais voir c'est vraiment quelle qualité. En tout cas, là, c'est une qualité un peu plus frisée. De toute façon, vous le voyez. Donc, je vais vous montrer hop, la qualité de la lace qui a l'air vraiment incroyable, comme d'habitude. Regardez-moi la qualité, s'il vous plaît. C'est déjà customisé et tout, il n'y a rien à faire. Donc là, j'aurais juste à poser. Et puis c'est tout, genre vraiment c'est trop beau. Look at this. Et comment c'est fait et tout. C'est trop bien fait. Donc je vais vous montrer aussi sur ma main comment ça donne. Voilà, c'est vraiment une véritable HD. Vous pouvez voir que la lace est bien transparente. Donc là, je vais passer ma main comme ça, vous allez voir les boucles. Ah, c'est beau. C'est beau ça, en fait ça c'est beau si tu veux un look un peu plus touffu et tout. Bah, franchement je trouve que c'est vraiment bien genre. Donc là on va la poser comme ça, on va voir ce que ça donne sur moi posée. Je vous ai pas montré aussi l'intérieur, donc comme d'habitude ils mettent les petits accessoires et tout. Bon là je vais pas forcément les ouvrir parce que j'ai pas besoin, j'ai grave des trucs comme ça et tout. Donc c'est pas forcément nécessaire d'ouvrir. Je vous ai pas montré, il y a aussi l'élastique. Voilà, et c'est une... C'est une 13x6 il me semble. Voilà. En fait les perruques comme ça j'aime trop parce que c'est tellement facile, rapide à poser. Franchement les wigs pré-customisés, franchement c'est vraiment la vie. Parce que là je sais que je vais faire très vite pour poser la wig. Hop. Donc, je serre un petit peu comme ça, en fait ça serre déjà bien. Et après on aura juste à mettre de la colle et teinter un peu la lace. Sinon en soi il n'y a pas grand chose. Vraiment là je trouve que j'ai pas assez serré. Voilà. Ah c'est joli. Ok. Ok, ok. Hop. J'aime trop, on dirait une princesse. J'aime beaucoup trop. Ok, on va passer à la pose. Regardez, waouh! Franchement, Astéria Hair. J'ai pas les mots. Alors donc là du coup on a fini de découper la tulle, on va venir un peu, voilà, colorer un peu la lace pour que vraiment ça se fonde, tu vois. Hop. Donc je prends juste un pinceau avec lequel je mets mon fond de teint. Du coup c'est bon, j'ai fini de coller, donc on a bientôt fini. Là je vais juste passer un coup pour la petite raie, qu'elle se voit bien. Voilà, voilà une raie qui se voit bien. Ensuite on va repasser un petit coup, tu vois là comme c'est collé, là on peut repasser encore un petit coup comme ça. Franchement la lace elle est incroyable. Incroyable, incroyable. Ok. Donc là une fois qu'on a fait ça, on va prendre le petit élastique. Et en fait vu qu'il y a écrit Astéria, autant mettre leur bande parce que je suis pas envie... Vas-y frère. Donc,
que je vais mettre mon petit spray pour faire vraiment disparaître la lace. Vous voyez le petit trait ici, on ne veut plus rien voir, donc un petit spray comme ça. Voilà, là on va patienter. En attendant, je vais continuer à ouvrir un peu les mèches comme ça. Ouais, c'est trop beau, ça fait bien touffu et tout. C'est trop joli. J'aime trop. Parce que tu vois, l'effet mouillé et tout, bon, ok. On a compris, effet mouillé, mais ça, c'est beau aussi. Genre, une petite touffe et tout. Tranquille. C'est bien joli. Un peu de lac, parce qu'on est vraiment extra. Ok, donc là je vais attendre quelques petites minutes et ensuite on montre le résultat. Donc là on va voir le résultat. Oh. Ooh, baby. I say ooh, baby. Voilà le résultat, regardez comment. En plus c'est grave touffu, les mèches elles sont trop belles. Vraiment là il y a beaucoup de mèches, en plus elles s'en mettent pas, elles sont vraiment douces et j'aime bien, tu vois, ce côté touffu et tout. Franchement ça change de fou, je trouve que ça déjà je trouve que ça va bien. Vraiment je trouve ça change de ouf, vraiment c'est trop beau, c'est incroyable. Après je vais la couper, je sais pas, mais en tout cas les boucles elles sont vraiment trop belles. Donc voilà, c'est la fin de cette revue. Si vous avez aimé, likez et n'hésitez pas à commenter. Que toutes les informations de la week sont en barre d'infos. Bisous.